Nous sommes samedi et nous sommes donc dans le Comic Con de Thessalonique en Grèce. Et il y a un monde, mais alors c'est incroyable. Je pensais qu'il y avait vraiment la crise en Grèce, mais alors la crise on la voit pas ici. C'est de la folie. Hello, hello guys, hello, hello. Are you busy? It's okay? Yeah. Yes? No smile, no smile. Say hello to friends. Yeah, thank you very much. Non mais c'est de la folie, on peut presque pas. Hello, hello. On peut presque pas avancer tellement qu'il y a du monde. Alors ici c'est un artiste serbe. Voilà. Drasin. Hello Drasin. Everything good? Yeah, I'm fine. So you were telling yesterday something very interesting about your country in Serbia. You tell us that in Serbia there's a lot of artists, but there's more artists than there are customers. it is a joke between artists there, but it is not too far from the truth. Okay, but said but true. tell me, is the comic book very popular in Serbia? Among some people it is. Okay. Let's say people around 40 and over who already have involved of comics before when they were kids, when they were young. And now they continue to collect comics, to buy books. What about the French-Belgium style? Is it popular in your country? Yes, it is. What Asterix, Lucky Luke? Yes, absolutely. Asterix, Lucky Luke, Franquin characters, Marsupilami. Franquin, yeah, of course. What about Spirou also? Absolutely, yes. Okay. So because long time ago we had a few very good comic book magazines, which are covered all comics from around the world, European, Franco-Belge, American comics, Italian, Spanish comics. So we are some kind, we have opened the mind for different comics from around the world. And it was good for to have open mind for different influences. Okay, thank you very much. I'll let you work and to your fan. Thank you. Have a very, very nice time. Thanks. Cheers. Alors un peu de également de caricature, c'est assez sympa. Voilà. Hello. You make it? Yes. What do you use? What is your process here? I use a graphic tablet. Wacom. Graphic tablet? Okay. Like a Wacom. It is a Cintiq or Cintiq. It is Cintiq? You work on the Cintiq. It's a great job. Incredible. How long have you used this Cintiq? 3 years now. 3 years now. Is it you buy it in Greece? Expensive? About $2,000. $3,000. Yeah. It's which one? It is the Companion 2. Okay. The last one. Last one. Do you have a market for caricature in Greece? Do you have a market for that? Do you sell your work in Greece? I work as a freelancer internationally. International, yeah, over country, okay. So if you only work in Greece, it will be difficult for you? Okay, I can see. Thank you very much. Hello, bonjour, bonjour. Ah oui, dis donc, salut toi. Alors, tu es sur la Franco-Belge? Oui. Alors, voyons voir, quel est ton nom sur la Franco-Belge? Tu es? C'est Orestix. Orestix. Donc, en fait, tu es dans le salon ici de Thessalonique, mais tu es aussi sur notre groupe, la Franco-Belge. Tout à fait. Waouh. Donc, voici un membre de la Franco-Belge qui est dans l'organisation du salon de Thessalonique. Fantastique. Qu'est-ce que tu fais ici sur Thessalonique? Tu t'occupes de BD? Oui, je fais de la BD. Tu fais de la BD? Ça, c'est une BD que j'ai fait il y a 3 ans. Alors, nos membres du talent, tu peux voir, vas-y, si tu peux ouvrir, s'il te plaît. C'est pas très... D'accord, ok. C'est du strip. D'accord. Comic strip. Donc, dans la série, nos membres ont presque du talent. Bon, on essaye, on va dire qu'on essaye. Ok. Qu'est-ce que tu penses? C'est incroyable, je suis impressionné par le monde qu'il y a. C'est phénoménal. Vu que c'est tout juste le deuxième festival, hein, festival de cette genre dans cet endroit, je crois qu'on va très très bien. C'est incroyable. Écoute, je te remercie beaucoup et puis je te dis M
pour la suite. Hein. Salut. Un petit mot pour les franco-belges. Bah, vive la franco-belge et continuez à vous battre, à vous débattre. On dira ça à Pierre Tasso. Salut. Plus de la hauteur un petit peu. Donc voilà, ici on est dans les hauteurs du festival. Alors il y a notre ami Superman qui supervise, et évidemment. Bonjour mademoiselle. Voilà. Avancez un petit peu. Alors, je ne peux pas vous dire exactement. Alors voici mon chauffeur. C'est un ami d'enfance. Hello Théo. Alors Théo est mon ami d'enfance, ça fait plus de 25 ans que je le connais. Et il est venu me chercher en moto. Voilà. Obélix. Obélix. C'était un mec extraordinaire. Alors Théo, je vais essayer de monter sur la moto. Overside. Ok, overside. Put like horse, you know. First. The on foot and after like this, yes, like horse. Okay, okay. Like horse, yes. Okay. No, it's okay, I like. I take my hat with me. Okay. Huh? It's my symbol. Yeah, I know. Okay. Oh, Theo, how do you say café frappé? In Greek, really, café frappé. Café frappé. Ena frappé. Bon, c'est incroyable. Vraiment, je ne sais pas où se trouve la crise en grec. Les cafés sont pleins. Oh, il y a un mec qui fait la même chose que moi. Salut, collègue. Nous avons assisté à la création du café frappé. Alors. Ah, c'est pas pour frappé, ok. Oulala, elle remue bien le truc. Bravo, le gars. She's a little bit nervous now because she, yeah, oui, yeah, oui. Je parle pas, je parle pas français. Elle parle un peu français, d'accord. Ah bah, j'ai préféré l'anglais parce que mon anglais est bêta. Hein? Bêta, oui, voilà. C'est carrément impossible d'aller sur mon stand. Bon bah, je vais en profiter pour me balader encore un petit peu dans les allées. Hello, hello, guys, hello, hello. Hello. Hello, bonjour. Voilà, voilà, donc c'est vraiment plein de gens, j'essaie de faire. Voilà, bon, ben voilà pour la crise grecque. Hein. Voilà, un petit peu de cosplay aussi pour changer. Hello, guys. Alors voilà ce que ça donne de l'autre côté des stands. Là, je suis à ma place et on voit vraiment, alors c'est ce qu'on appelle l'allée des artistes ici. Énormément de gens comme d'habitude. Alors voici ma voisine à côté. Bonjour, hello mademoiselle. Hello. Hello. You're okay? You're okay, nice. And you are you the are you a drawer? No, she's not. She's a sister. She's the sales woman. No. Booth babe. Yeah, it's like that. People stop to say hello to the girl. Yeah, say hello. What about if there's some girls around right here to see you? Me? No. I'm ugly as hell. Okay, thank you. Yeah, thank you. Bye-bye. Oh, can you say something like, bonjour. Bonjour. La franco-belge. Non, c'est bon. La. Franco. Franco-Belge. Yeah. Bonjour la franco-belge. Bonjour la franco-belge. Ouais, parfait. Bon les mecs, écoutez, encore un peu de body painting juste pour le plaisir des yeux, bah, pour les mecs. Quoi. Alors désolé Antoine et compagnie. Mais je ne sais plus à quel sens vous voulez là. Quels artistes quand même. Hein. Alors, nous sommes 8h du soir ici en Grèce. Le festival ne déborde pas. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. J'ai jamais vu ça. Pourtant, les festivals, j'en ai fait. À 20h. Et je ne sais même pas. C'est pour vous dire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et c'est pour vous dire que même dehors, il y a plus encore de 200 personnes qui attendent à 20h le soir.